Entraîne-toi et joue pour gagner. Tous tes amis sont là pour t'aider. Entraîne-toi et joue pour gagner. Viens les perdre du temps que le jeu n'est pas terminé. Ton équipe est très motivée. Il faut courir, shooter, oui, bravo. Nous sommes Inazuma Eleven, go. Reste confiant à chaque instant. Partage ton destin avec ceux de ton camp. Et ensemble, vous serez des géants. Entraîne-toi et joue pour gagner. En équipe, tous ensemble, on va y arriver. Entraîne-toi et joue pour gagner. Nous allons vers la victoire, allons nous entraîner. Entraîne-toi et joue pour gagner. La force et la patience toujours t'accompagnent. Entraîne-toi et joue pour gagner. Oui, on va bien s'éclater, puis que le meilleur gagne. Tu joues pour gagner, et confiance en toi, c'est Inazuma. Notre équipe gagnera la fin. Le stade rugit tout son combat. Nous allons enfin marquer, c'est certain. Inazuma Eleven, go. Ensemble on gagnera. Go. Oh. C'est vrai ça. Je fais partie de l'équipe de football de Raymond à partir d'aujourd'hui. C'est parti. Un match arrangé. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui, les enfants. Tout le monde se lève. Saluez. Vite, JP, dépêche-toi. J'arrive. Permission d'entrer. Oh. Oh. Nous sommes les premiers arrivés, on dirait. Ce sera notre salle de club à partir d'aujourd'hui. Ah, oh. Voilà, l'équipe première. C'est un honneur pour nous. Ah, surtout, si vous voulez que je fasse quoi que ce soit pour vous avant l'entraînement, dites-le-moi. Ce sera avec grand plaisir. Capitaine, ravi de vous voir. Bien. Allez. Il est temps pour les nouveaux de se présenter. Parfait. Vas-y, à toi l'honneur, Arion. Présente-toi et mets-y un minimum d'entrain, s'il te plaît. Et toi, qui es-tu? Moi? Tu veux t'occuper de la gestion du club? Pardon? Avec tout ce que ça comporte comme tâche pénible, non merci. Non, comment vous expliquer? Disons que je serai la supportrice attitrée de ce garçon. Sa supportrice attitrée? Parfaitement, mais passons, nous ne sommes pas là pour parler de moi. Tu y vas? Je suis Arion Sherwind et je suis en sixième. Sinon, quoi d'autre? Arion, calme-toi. Hein? Oui. Je suis passionné par le football. Ravi d'être parmi vous. Sois le bienvenu. Le plaisir est partagé. Génial. Merci, JP. Suivant. Hein? Oui. Je m'appelle JP Lapin. Je suis en sixième et je suis défenseur. J'espère faire honneur à cette équipe. Ravi d'être parmi vous. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, rien du tout. Suivant. Il a dit suivant. T'as pas entendu ou quoi? Je m'appelle Victor Blade. Regarde ce garçon. S'il intègre l'équipe, on est fichu. Je parie qu'il est là uniquement pour détruire le club. Hein? Tu crois? C'est la fin pour nous, j'en suis sûr. Très bien. Au tour des nouvelles filles de se présenter. Je m'appelle Sky Blue et je suis en sixième. Ravie d'être parmi vous. Je m'appelle Rosie Red. Je suis en cinquième. Oh. Et pour terminer, je me présente. Je suis Jade Green. Je suis en cinquième. Enchantée. Parfait, maintenant à notre tour de nous présenter. Parmi les quatrièmes, il y a Sam Gukhan, notre gardien. Doug MacArthur, Subaru Honda et Wanli Changsheng.
Ravi de vous rencontrer. Ravi de vous rencontrer. Et parmi les cinquièmes, il y a Michael, Gabi, Eugène, Adé et moi, Ricardo, le capitaine. Je suis Celia Hills, c'est moi qui m'occupe de la gestion du club. Et voici le coach Trevis. Ravi de faire votre connaissance. Vous allez maintenant pouvoir découvrir la tenue que vous porterez. Oh. Attendez, mais ce sont les tenues de l'équipe première, ça. Normalement, vous auriez dû être dans l'équipe réserve, c'est vrai. Mais beaucoup de joueurs sont partis. Ah bon? Vraiment? Ne croyez pas que vous faites partie de l'équipe première pour autant, c'est clair? Ah, c'est un honneur pour nous. Je n'en reviens pas, le maillot de l'équipe première. Je crois que mon maillot à moi est un peu trop grand. Allez vous changer pour l'entraînement. Oh. Hein? Tout de suite. Prêt, à toi, Adé. C'est bon, tu es. Alors ça ressemble à ça, l'équipe première. Ils sont tous tellement rapides, c'est à peine croyable. Qu'est-ce que tu fabriques, Arion? Tu te traînes, là, accélère. Mince, alors elle scrute les moindres faits et gestes d'Arion sur le terrain. Est-ce que je serais capable de remettre ce club de football sur pied? À toi, Ricardo! Je comprends ce que tu ressens. Mais peu importe la situation, il faut continuer. Ricardo! Allez, viens, donc je t'attends! Tire! Sonic! Voilà les super techniques du 11 de Raymond. Le tir sonique de double était fantastique. Tout comme l'arrêt de Sam Gook. Arion! Enfin! Réveille-toi, gamin! Oui! C'est pas vrai! Adé, c'était quoi cette passe nulle que tu lui as faite? Pourquoi le coach Trevis a voulu intégrer ces garçons dans l'équipe? De l'équipe première est prodigieux, pas vrai? Ouah, tu as vu comment la défense de Subaru était parfaite? Ouais. Moi, à vrai dire, ce sont les dribbles d'Adé qui m'ont impressionné. À un moment donné, face à deux joueurs, ça a fait fouch et il les a passés en un éclair. Tu ne devrais pas te laisser autant impressionner. Au bout du compte, vous n'avez pratiquement pas touché le ballon de tout l'entraînement. Je vous préviens, les garçons. Si on vous retire de l'équipe première, il ne faudra pas venir pleurer sur votre sort. Oh. Ils peuvent vraiment faire une chose pareille? En même temps, c'est vrai qu'on n'a pas été bon aujourd'hui. Courage, JP. Si on travaille dur, je sais qu'on peut y arriver. Tu crois? Oui, tu as raison. Demain, nous nous donnerons à fond sur le terrain. Bien dit. Coach Trevis, passez l'information à vos joueurs. Ils joueront un match amical dimanche prochain. Leur adversaire sera le Collège des Surdoués. Le cinquième secteur nous a d'ailleurs donné ses consignes concernant le score final. Ah bon? Et ce sera quoi cette fois? Le collège Raymond s'inclinera sur le score de 3-0. Inutile de vous rappeler ce qui arrive à celui qui ne respecterait pas les consignes. Je vous charge donc de faire le nécessaire afin d'éviter toute contestation au sein de l'équipe. C'est tout ce dont vous vouliez me parler, monsieur. Ouais. Dans ce cas, si vous voulez bien m'excuser. Vous êtes sûr que tout va bien, monsieur? Occupez-vous des préparatifs. Bien, monsieur. Tout de suite. Quel calvaire de travailler avec cet odieux coach, Trevis. Encore un peu à droite. Parfait. Ça y est. Maintenant, un peu plus à gauche. Je le tiens. Ah, excellent. Maintenant, je franchis cet obstacle. Et voilà, je peux entrer directement dans le château. Oh, qui ça peut être? Oui. C'est vous, coach Trevis? Nous affrontons le Collège des Surdoués dimanche en match amical. Nous avons reçu comme consigne de perdre 3-0. Ça a commencé alors? Tout se passe comme prévu pour toi.
Alors c'est parfait, continue comme ça. Ça y est, ça arrive enfin. Oh non, s'il te plaît, t'as pas le droit de me faire ça maintenant. Coach, Ricardo a reçu ça hier. Dites, coach, cette fois-ci, notre consigne est de perdre, alors? De faire exprès de perdre? Il faut que ça tombe sur un match contre le collège des surdoués. C'est dégoûtant! En temps normal, je suis sûr qu'on réussirait à les battre. On est encore les premiers aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? On joue dimanche un match amical contre le collège des surdoués. Le collège des surdoués? Oh oui, je les connais, c'est une école qui a acquis une excellente réputation au fil des années. Hein? Tu en es sûr? Oui, avant l'école était surtout réputée pour la qualité de ses enseignements. Mais depuis quelque temps, ils ont fait de gros progrès en football. Grâce au cinquième secteur, bien sûr, c'est logique. Le collège des surdoués, hein? Entraînez-vous dur, les amis. Nous, on vous soutiendra depuis le banc de touche. Comment ça, depuis le banc de touche? Vous aussi, vous participerez à ce match? Hein? On jouera, nous aussi? Évidemment, sinon nous n'aurons pas assez de joueurs. Ah, je comprends. Merci infiniment. Je me donnerai à 100% sur le terrain. Et on gagnera ce match. Ce que j'ai hâte d'y être. J'aimerais qu'on soit déjà dimanche. Allez, pas de temps à perdre. Fonçons tout de suite nous entraîner. Ricardo? Excuse-moi. C'est bien toi, Ricardo Dirigo, le capitaine des Raymond? Oui, pourquoi? J'en étais sûre. Viens, Yann, allez, ne fais pas tant timide. Je te présente mon fils, il s'appelle Yann Stein. Il est milieu de terrain au sein de l'équipe du collège des surdoués. Le collège des surdoués? Ce pauvre chéri n'a pas souvent l'occasion de marquer, et cela commence à être négatif pour son livret scolaire. J'ai essayé d'en toucher un mot à l'entraîneur, tu penses bien, mais il n'a jamais daigné lever le petit doigt. Ah oui, j'allais oublier. Tiens, voilà deux places de concert pour toi et pour un ami. Prends-les, je te les offre. J'ai entendu dire que dans ta famille, on raffole de musique classique, c'est vrai? Je te demande juste un but, un tout petit but. Allez, Yann, demande gentiment au jeune homme. Non, merci, mais je ne peux pas accepter. Non, ce n'est rien, voyons. Ces places m'ont été offertes de toute façon. Bon, eh bien, nous comptons sur toi, alors. Ne reste pas planté là, Yann, viens. Il commence à se faire tard. Il va bientôt être l'heure de dîner. 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1. Ah, le voilà. Je m'en doutais. 2, 3, 1, 3, 3, 3. Oh non. Merci, Spotter. Bon, peut-être que 3-3-3, c'est un petit peu trop pour moi. Mais qu'est-ce que je raconte? 3-3-3, ce n'est pas trop! Si je continue de m'entraîner, je finirai par y arriver! 1, 2, 1, 3! 1, 2, 3, 1! 1, 3, 2, 3, 3! 1, 2, 1, 3! 1, 3! Allez, c'est ça! Oui! Ils veulent perdre! C'est rien du tout, je t'assure. Tante Sylvia a exagéré sur les pansements, mais c'est trois fois rien. Ah! C'est vrai, ça? Tu as l'air d'aller plutôt bien. Oui. Tu t'es encore entraîné au bord du fleuve, c'est ça? Évidemment. Je n'ai pas arrêté de repenser à ma prestation pendant l'entraînement hier. Je ne veux pas être un fardeau pour l'équipe. Oh. Donc tu as passé toute la nuit à t'entraîner? Toi, on peut dire que tu es un acharné de travail. On va vraiment voyager là-dedans? On ne se déplace jamais sans notre minibus. C'est pas vrai! Waouh, il est super! Allez-y, les garçons, montez! D'accord. Arion! Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Toutes mes excuses! Je vous en prie, montez les premiers.
Bon sens que je suis impatient de jouer ce match. C'est vrai, tu n'es même pas un petit peu nerveux? Si, bien sûr. Je sens progressivement la chaleur monter en moi. Et j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Ça ne serait pas plutôt le signe que tu boudes d'impatience de jouer ce match, ça? Tu peux aussi commencer à être nerveux, tu sais. Un peu de stress, ça ne fait pas de mal. Mais je suis nerveux. Si c'est le cas... Quand est-ce que tu comptes leur parler des consignes? Ils finiront bien par comprendre tôt ou tard pendant le match. Le collège des surdoués. Depuis qu'ils ont progressé en foot, leur stade est tout le temps plein. On va devoir jouer devant autant de supporters. Oh, Arion. Voilà, c'est ça, être nerveux. Je me donnerai à 100% pour gagner ce match. Dave? Oui, coach? Il y aura deux buts de Mozart en première période. Et Franklin? Non, pas Franklin. Il a déjà marqué au dernier match. Il n'est pas nécessaire qu'il marque encore aujourd'hui. D'accord, à vos ordres. Si l'entraîneur croit que le match va se dérouler comme prévu, le pauvre, il n'est pas au bout de ses peines. Oh! Oh! Yann! Vas-y, chérie! Courage! Bonjour, heureux de vous retrouver. Quand le 11 de Raymond va quelque part, Charlie Horse n'est jamais bien loin. En effet, c'est moi qui serai au micro pour commenter ce match amical entre le Collège Raymond et le Collège des Surdoués, une équipe qui enchaîne victoire sur victoire. On y va, les gars! Oui! Les deux équipes se mettent en place sur le terrain. Signalons au sein du 11 de Raymond un nouveau milieu de terrain, Arion Sherwin, ainsi qu'un nouveau défenseur, JP Lapin. Que valent ces deux joueurs? Nous n'allons pas tarder à le savoir. Calme-toi, calme-toi. Tu t'es entraîné dur, ça va bien se passer. Le 11 de Raymond donne le coup d'envoi de cette rencontre. Début de la première période. Ricardo! À toi, Adé! À toi, Doug! Le 11 de Raymond enchaîne les passes et avance rapidement. C'est parti, je dois avancer avec eux. Empereur sacré, le match entre le collège Raymond et le collège des surdoués vient de commencer. Doug MacArthur fonce à toute allure. Tu ne passeras pas. Il saute ballon au pied et évite le tacle d'un joueur du collège des surdoués. Oh, Doug est toujours aussi impressionnant. Ce sera un match équilibré pendant 5 minutes. Il faut bien que le public en ait pour son argent, non? Avancera-t-il encore longtemps? Parfait, ça s'annonce bien. Oh! L'œil du voleur! Doug MacArthur se fait prendre le ballon par l'équipe adverse! Sympa, merci! Socrates, super technique défensive une fois. Je n'arrive pas à y croire. Comment quelqu'un comme Doug a pu se faire prendre le ballon? Voilà ce dont est capable le collège des surdoués. Il faut que je sois ultra vigilant. C'est incroyable, mesdames et messieurs, nous assistons actuellement à une lutte acharnée entre deux équipes au niveau identique. Magnifique passe de Ricardo Dirigo pour Michael Balzac. Réussira-t-il à conserver le ballon? Vas-y, Michael. Non, il se le fait prendre. Oh non. Bravo, être bien joué. Il se croit fort alors qu'on fait exprès de rater. Et eux, ils en profitent ensuite. Voilà qui est pour le moins amusant. Ah, pas de chance. Arion, ce n'est pas en restant planté là que tu auras le ballon. Secoue-toi un peu, bon sang. Ça ne sert à rien. Ils vont trop vite pour moi. Les attaques et les contres s'enchaînent pour les deux équipes. Il est temps pour nous de marquer un but maintenant. Le numéro 7 fera la passe et le numéro 9 marquera. À des passes. Tiens. Le capitaine prend les choses en main. Oh non, c'est pas vrai, il a aussi perdu le ballon. Belle interception du numéro 7 du collège des surdoués, Ed Eisen. Oh, à toi. C'est pas vrai. Trajectoire optimale. Pas de panique, Sam Gook saura l'arrêter.
l'ouverture du score par le collège des surdoués. La super technique de Samgook n'a pas suffi à arrêter le tir. Je sais bien qu'on a reçu des consignes. Mais pourquoi? Pourquoi je suis obligé de les laisser me marquer un but aussi facilement? Le pauvre. Désolé, Samgook. Le 11 de Rayman. J'ai bien cherché dans le passé un rêve qui paraissait réel. Une chose qu'on ne peut acheter ou bien trouver au bout d'une allée. Je ne mens pas, surtout crois-moi, ce n'est pas très facile à imaginer. Quand tu crois qu'il est à ta portée, tout à coup il s'envole en fumée. Un sentiment un peu troublant au fond de mon cœur. Quelque chose qui dit que demain ne finira pas. Je sens que je vais exploser. Ma tête va éclater. Une force me pousse au fond de moi. Capitaine, je ne veux pas d'un match comme ça. Raymond doit gagner. Elle va gagner. Rendez-vous au prochain épisode. Dernière passe, dernier espoir. Ça, c'est du sport.